Alors que les jeunes mariés sont en lune de miel, Nabila Vergara en a profité pour se replonger dans les souvenirs de leur mariage. Le samedi 10 juillet. Le mardi 6 juillet 2021, Nabila et Thomas Vergara se mariaient pour la seconde fois dans l'enceinte idyllique du château de Chantilly. Depuis cet heureux événement, les épisodes se succèdent. Le dernier en date, le cambriolage survenu dans leur chambre d'hôtel. Lors de la cérémonie de mariage, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Un vrai feuilleton américain. Bien que très secoué par ce vol de cadeaux et d'affaires personnelles. Nabila Vergara veut aller de l'avant. À la place de se remémorer les mauvais côtés de la soirée. La vedette de télé-réalité préfère se ressasser les minutes précédant l'un des plus beaux jours de sa vie. Le samedi 10 juillet 2021, la maman de Milan a partagé une photo souvenir heureuse dans un post Instagram. 20 minutes before. Virgule a-t-elle écrit dans sa légende. Ce qui veut dire, les 20 minutes avant, son mariage. On voit Madame Vergara, dans sa robe de mariée, assise sur un fauteuil d'époque. Une coupe de champagne à la main. La belle attend-elle son prince charmant? Ou repenserait-elle au bon moment passé durant son idylle avec Thomas Vergara? En tout cas, comme à son habitude, la jolie brune fait le carton plein. Les internautes apprécient la publication de Nabila. Tellement belle, tout le bonheur à vous, tu es trop belle avec cette robe. Tu es magnifique, magnifique robe, tous mes voeux de bonheur, pouvons-nous lire dans les commentaires. Thomas Vergara est un homme amoureux. Et il le fait savoir auprès de sa chérie. Nabila Vergara a eu un beau cadeau de la part de son bel et tendre, une lune de miel surprise. La chanceuse. Le vendredi 9 juillet 2021, les deux tourtereaux ont atterri à Ibiza pour profiter au maximum de l'après-mariage. L'époux de Nabila Vergara a vu les choses en grand. J'ai privé et cadeau à gogo pour dévoiler la jolie surprise. Rien que ça. Depuis, le couple est sur un petit nuage. Les soucis sont déjà loin.